Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, c'est une belle journée qui démarre dans un premier temps parce qu'il fait beau, il fait bon. 8h45 et Baptiste et moi-même, nous allons assister à un grand jour. Parce qu'on va, on va acquérir du patrimoine. On est en train de se construire une flotte. On va s'acheter notre camion, messieurs, dames. C'est bon, parfait. Hein. Ah, ton papa il est bricoleur? Ah oui, oui, bon, bah, oui. Ah oui, t'inquiète, c'est son métier, il va savoir faire. Magnifique. Ah, c'est... Je suis content d'être là. Je crois que je vais dormir 2-3 jours là. Mais attends. Oh, le gamos. Ah, il en a fait le pile machin, je peux te le dire. Ça, ça... ça bombarde. Tu veux dire que tu veux pas qu'on se gare ici là? Non, parce qu'en fait, il faut qu'on apprenne vraiment à se garer direct. Parce que là, tu vois, si on se met là, on est même pas à l'entrée de Leclerc. Il faut qu'on marche. Là, en fait, il faut qu'on apprenne dans le dur, tu vois. Alors, je vais arriver et je vais même annoncer mon arrivée. Mais tu sais que là, alors là, tu vas me klaxonner au truc de livraison. Alors, ouais, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un Fenwick. Mais il est où le caillou? Il s'est foutu de ma gueule. Voilà, mec, il y a un poids lourd qui arrive. Ah, mais lui, regarde où il va. Bah, il va aller là où j'étais. Exactement. Ah, mais du coup, en fait, j'ai pré-shot. Pourquoi? Bah, parce que lui, il klaxonne quand il arrive. Ah oui. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a pas des... Putain, mais il est immense en fait. Mais là, on va rester garé comme ça, là. Bah ouais, vous pouvez même pas le choisir. C'est vrai, on a mis les poules en même temps, on avait pas fait exprès. Ça, c'est vrai. Oh putain. Ça avance, hein? Ça avance, ouais. Oh putain, il l'a mis. Oh, il l'a mis, merde. Dégoûté. Je crois que je suis un sgeg, moi. Apparemment là ils les remettent en été. Putain mais... Quoi? C'est complètement le tuyau... Oui, il est juste là-bas dans l'angle. Ouais, mais là il est bah là il y a de l'eau là. Attends. Mais c'est beaucoup, c'est monté. Mais il y a de l'eau. Parce qu'on a une vidéo où on avait un, ouais. On avait un mec qui était bloqué dedans. Putain, ça aurait été bien ça. Ouais, putain, ça aurait été bien ça. Il aurait... Boum. Il aurait pété là. Mais donc, comme l'a dit Baptiste tout à l'heure, la particularité de la zone des Dombes, donc à côté de Lyon, c'est qu'il n'y a que des lacs partout en fait, c'est rempli d'eau. Et donc on a deux golfs partenaires dans cette zone. Et donc ça c'est très avantageux parce qu'il y a énormément d'obstacles d'eau. Genre là regardez, il y a de l'eau à perte de vue. Encore là-bas au fond il y en a. Là-bas au fond il y a de l'eau. Là tout là il y a de l'eau. Là pareil. En gros là on est au 14, c'est un parc 3. Des blancs ou des jaunes, ça dépend. Jusqu'au drapeau là-bas où il y a des joueurs, mais on voit mieux ici, là ils peuvent jouer la sécurité en partant de partout, carrément coupé et passé au-dessus de l'eau, donc ici ça va être vraiment... Alors lui c'est Ellie et moi, ok. Je pense que Ellie t'as trop passé de temps avec Baptiste. C'est vrai, mais je préfère passer du temps avec Baptiste qu'avec toi. Je peux comprendre parce que personne n'aime passer du temps avec moi, même ma famille, il me supporte plus. C'est vrai. Quoi ce truc en plein milieu, une hélice de bateau? Non, c'est un pélican, pauvre con. What? Ah, c'est une statue, mais elle est tombée, je crois. On va la remettre droite. Mais non, elle est pas tombée. Ah, je te jure. Mais non, elle est pas tombée. Je crois qu'ils imitent un canard qui mec, va bouffer sous l'eau. Pour moi, c'est une aile. Bah oui, c'est une aile et il y a les pattes en l'air, comme un canard qui va bouffer dans l'eau. On va essayer de la remettre droite. Je vais mettre le truc. Tu veux jamais la GoPro, voir si elle est droite, pas droite? Vas-y. On va aller voir. On avait une énigme, c'était par rapport à la statue là. Moi, je pense que c'est un canard qui plonge. Attends, tu veux pas montrer un peu les balles? Bon, là, en gros, c'est quand elles sont pas nettoyées. Mais une fois qu'elles sont. Explique un peu les marques. Bah il y a 27 marques différentes. Elle par exemple c'est une des meilleures, elle, la Pro V1 là. Ouais. Et ça c'est une balle de practice. Et ça on n'en veut pas sur le terrain. Parce que c'est interdit. Dans et l'eau. Ça du coup, on va aller la chercher. En fait dans nos sacs il y en a entre 200 et 220 quand ils sont pleins. En fait ça dépend des sacs, c'est ce que je crois que le tien est plus grand. Non c'est les mêmes. Non le tien est plus grand. Ouais, ouais je crois qu'il est plus grand. Sûr et certain il est plus grand tiens. Ah, je crois qu'on va devoir bouger. Pourquoi il y a les joueurs? Ah oui, parce que là on vous montre pas, mais en gros là-bas il y a plein de joueurs qui sont prêts à nous allumer là. Vous avez un chéquier? Le problème, je crois, c'est qu'elle va nous taper l'œil là. Oh yes! Oh yes, elle est faute. Non, mais non! Pourquoi elles rebondissent leurs balles là? Parce qu'en fait, une bonne balle,
normalement elle devrait pas rebondir, elle arrive en cloche. Et comme elle tire mal, et ben, elle tirera comme ça et elle rebondit. Mais il y en a qui font exprès, j'avais vu. John Ram il a fait exprès, il a mis en une fois comme ça. C'est vrai? Ouais. Il a fait taper sur l'eau, elle est passée comme ça, elle a roulé pendant 20 mètres, elle a fait un rond comme ça et elle est rentrée dans le trou. Exceptionnel. C'est que de la luck. Et un peu de luck. Ouais, génial! Ouais, quand même! Bonjour, ouais, super! Elle est jaune? Pas trop! Ouais, elle est bonne! Elle est bonne! Ouais, oui, bien sûr! Qu'est-ce que vous voulez comme balle? Des blanches, des Stringson! Maman, des roses, oranges! Voilà, c'est bon! Moi, je vous en ai pris trois! On se fait inquiéter par un gang là! Voilà, quatre! Vous en voulez? Bah, si les copines en ont pris, je vais en prendre. De toute manière, vous allez nous en redonner dans les autres trous. Ah bah, de toute façon, oui, on vous en redonne. Hein, ça. Sur le front, là. Qui me l'amène. Ouais. Vous savez un petit peu où c'est qu'il y en a ou pas? Et après, ça, vous les lavez? En fait, on les reconditionne et on les revend sur notre site internet. Golf, ça dépend des notes. Golf, c'est l'air. Si vous avez un téléphone, 70% moins cher. Que ça dépend des modèles. Ah ouais, il fait de la spéculation. Eh ben écoutez, un gros merci en tout cas. Hein. Bah, pas de soucis. Voilà, bon, bah, moi je vais aller récupérer la mienne qui est dans l'autre étage. Pas de problème. Elles nous ont saigné, on a plus de chiffre d'affaires, elles nous ont saigné. Faut qu'on fasse des petites cartes de visite. Tu sais ce que c'est ça? C'est quoi ça? Tu voles les vautours. Les vautours. Golf filler, c'est tout attaché. Ouais. C'est ça. Merci. Merci à vous. Bon jeu, passez une bonne journée. Merci bien. Et vous les lavez avec quoi? Ah, ça c'est secret, on peut pas vous dire ça. Ça c'est la potion magique. D'accord. Ellie, tu. Oh. Comptez. Combien? 25 balles. Quoi? Regarde l'alarme. J'ai compté 25 balles donc. Tiens, je te file la GoPro, je vais me tirer une balle. Pourquoi 25 balles? Ils ont pris 3 chacun. Hein. Oh non, non, pas okay, okay, non, il y en a une, putain, elle avait faim. Hein. Ouais. Je t'ai déjà inquiété. Après, ils sont gentils, on s'en fout. Non, mais bon, attends, ouais. Après, j'ai vu, ils ont pris de la merde, ils ont pas pris les. Ouais, j'ai mis la main sur la trouvée, j'ai cru que j'allais casser le poignet. Ah ouais, ouais. On va voir notre petit oiseau là-bas, j'ai envie de savoir ce que c'est. Allez, viens, je fais un pronostic. Ouais. Parce que là, on voit la dalle en pierre qui est en dessous. Oui, pour moi, c'est le socle. Non, en fait, pour moi, il y a une tige. En métal, au ventre de l'oiseau pour qu'il reste justement penché. Ah, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Là, c'est du racket dans les règles. Non, mais c'est grave. Non, mais. Ah, mec, c'est 100% un truc qui est tombé. 100%, viens voir. Tiens, je vais le remettre droit. Non, Baptiste, je pense pas que t'aies la force pour le remettre. Je sais pas, c'est... Mec, c'est lourd, hein, de fou. Hein. C'est de la fonte. Je pense que c'est de la fonte. Ah, si, putain. Ah, putain, il est joli de base. Ouais. Oh là, regarde, il commence à chier du bronze. Il est tellement stylé de base. Ouais. Viens, on le tourne un peu. Un floater. Alors, c'est quoi? Une balle qui flotte. Je passe pas sur le col, toi, ça. C'est Karl Lagerfeld. Super cool. On est sorti le. Ça va, elle flotte pas mal. Là, normalement, là, c'est parce qu'elle tape l'arbre et elle tombe. Ouais, bah là, on en a ramassé presque 2000. Ici. Pardon, on en a ramassé 2000. Presque 2000 ici. Là, non, bah, là, on les a là aujourd'hui. Ouais, si vous voulez voir, un tout petit peu moins de 2000. À peu près 1007. Vous en voulez une ou deux? Ah si, si, ça me fait plaisir. Moi j'ai joué avec Srisson, mais... Bon, un peu, mais... Non, non, mais ça on s'en fout, ça. Allez, une petite AD33 encore. Allez, juste un peu, ah, un petit ça, coup de doigt dessus. C'est étonné. Eh ben c'est sympa. Eh ben parfait. Et après on les trie par marque, modèle, qualité. Voilà. Et on les revend sur le titre. Et normalement vous les vendez combien pièces? Ça dépend. 1,50€? Non, moins 50€. Non, ça dépend de la balle. Par rapport au prix neuf. Ça dépend de la marque. Ah, moins 50%. Par exemple, là, les 33, là, elles sont à 1€. 1€ pièce, là, les 33. Ouais. Ça fait 1€ en meilleure qualité. En ouais. Ça fait 12€ les 12. Ouais. Au lieu de 28 pour les AD33. D'accord. On essaye de. Quand même que ça soit intéressant pour vous. C'est une petite entreprise à vous, alors, tranquille. Ouais, ouais. Et vous faites un petit peu tous les golfs de la région? Bah, pour l'instant, ouais. On essaie, ouais. Et ça marche, pour le moment. Bah, pour l'instant, on démarre. Bah, on se lance, quoi. Ah, vous démarrez. On a lancé l'entreprise en novembre. Et moi, il y a 2 ans, quand tout était asséché ici, avec mes potes, j'en ai ramassé 2000. Ah ouais, ouais, ouais.
2000 j'ai ramassé. Mais c'est pour ça qu'il n'y en a pas autant que... Ah non, 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 mais attends, mais après ça s'est rempli. Il y a deux ans qu'il y a eu la sécheresse. Ça, ouais, et que tout était vide là. Ouais, c'est pour ça du coup. Ouais. Mais ça faisait mal au cœur, on les voyait là. Bah non, mais c'est bien de faire ça parce que ça les enlève du sol. Tu peux pas, tu peux pas passer à côté et puis les laisser. C'est sûr. Après, en fait, ça pourrit les fonds. Ouais. C'est joli ficelle. Et bah continuez bien. Eh ben merci. Merci à vous. Au revoir. Enfin, je vais vous montrer. Jules, il a trouvé un club de golf. Oh là là, ça c'est un beau sac. Est-ce que du coup, on se jouerait pas un petit coup? Vas-y, envoie mon animal. Mais il est pas tordu là? Non. Ah, c'était pour ça qu'il l'a acheté. Attends, je sais pas si c'est tordu. Là. Mais non, c'est une ouverture, c'est un 52, regarde. C'est pour tirer en l'air en gros. Regarde le trou là-bas. Un index combien ça? Lui, il a un index 27, je crois. Oh, elle est belle, elle. Ouais, ça, c'est un joli coup. Tiens, donne, amène, je vais te montrer. Ah non, c'était à 1000 abonnés. Non, tu m'as donné une tight last. Index 2, si tu veux. Magnifique. Donc voilà, on montre aussi que nos balles, bah, c'est pas de la merde. Et oui. Et oui, Jamy. Attends. Tout est d'occasion, là, même le joueur. Oh, ouais. Merde. Oh, le trou. Il est full d'occasion, ça, je te fais un petit truc. Mais, comme ça, tu mais Ellie, t'as ta carte verte, toi? Oui, je l'ai. Regarde. Non, Ellie, il va m'arracher le sol. Regarde l'escalope qu'il va nous faire. Non. Ouais. C'était un coup de chauffe. Ouais, ouais, coup de chauffe, chauffe-toi. Superbe. Vous comprenez pourquoi il y a des balles dans l'eau? Regarde, quand je te vise, je pense que ça part tout seul. Oh putain, c'est vrai que je suis devant. Attends, arrête. Putain. Pas de, sur un départ là, c'est une approche que tu nous fais. C'est bon, je suis prêt. T'es prête? Oh, c'est joli. Oh, c'est bien fait, ça. C'est joli. Dans l'eau. T'as bien réussi là. Dans. Putain, c'est joli par contre. C'est un Ben, tu sais qu'en plus c'est un Ben Simon ou un Ben Sayers? Cleveland. C'est un Cleveland, c'est encore mieux. C'est ça, c'est genre combien d'euros? Bah ça dépense entre 120 et 175 euros. Putain, quand même, ouais. Oh non, merde, attends. Oh merde. Mec, remets-le comme si de rien n'était. Voilà. Attends, laisse-moi un peu. Tout neuf. Oh, elle est haute, elle est belle. Ah, dans l'eau, mais... D'accord, ok. Là, c'est les grands champions. Ouais. Derrière le blanc? Les blancs. Ouais, okay. Les blancs, c'est... Après, là, c'est les... Intermédiaires. Les normaux, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et là, c'est plus, je dirais, c'est plus débutant. Bon, leur handicap... En fait, ça dépend de ton handicap d'où tu pars. Ça dépend pas de ton handicap par rapport au golf. Ah, genre, oui, si ouais, t'es, ouais. Plus t'es proche de zéro, plus tu vas partir de loin. D'accord, okay. Et plus t'es vers 54, bah, tu vas pas partir de près. Ça, pas l'index. L'handicap, l'index, c'est un peu la même chose. D'accord. Voilà, moi je suis 54. 54 ouais. Ok. Donc ça explique. Ouais, 54, normalement, je devais partir des bleus, non? Des ouais. Bleus, oui, ouais. Enfin bon. Moi, j'ai voulu jouer le grand garçon. Moi, elles sont. Bah, après, ça se nettoie. Hein. Tu peux m'en frotter une, parce que comme j'ai pas les mains, pour montrer. Mais en gros, elles sont dégueulasses. Voilà, frotter, elles sortent comme ça. Ouais, là, c'est que la triche, là, un peu. Mais regarde. J'ai triché? Ouais. Là, c'est juste avec le gant. Non, ouais, ça part bien quand même. Hop, ça repart bien. On voit que c'est nettoyé, c'est magnifique. Donc, ça, en fait, dans la bétonnée, en fait, ça va être du caviar. Hein. Ça, c'est un coucher de soleil 5 étoiles. Ah, c'est vrai qu'elle m'ambiance, celle-là. Mais c'est bon, c'est trop facile, je veux la facilité aussi pour te faire danser. De là à là. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Elles sont explosées. On va les faire tremper dans la cuve. On va les nettoyer. Et vous verrez dans la prochaine vidéo. Donc on compte et on vous redit combien il y en a. Moi je dirais là comme ça, à vue de nez, tu dis qu'il y a combien toi? Enfin à vue d'œil du coup carrément. J'avais 4500. 4500 tu dis? Ouais je pense. Peut-être ça... un peu plus. Mec je te jure pour moi il y a 6000 là. 6000 tu penses? Ouais. 5253, on a tout mis dans la cuve. Je suis obligé de faire l'outro de la vidéo YouTube. Et du coup, merci d'avoir regardé. Il y a bientôt une prochaine vidéo aussi. Ah ouais? Ouais. Sinon, on va plus vers là-bas. Non, mais là-bas, il y aura pas de temps. Je vais y aller tout seul. Il y a la GoPro, là, il faudra faire gaffe si vous allez partout. Donc, en fait, pourquoi il y aurait des balles là-bas? Il y en a moins.